C'est stressant qu'on fait les bouées gonflables. Oh, c'est quand même froid. Allez, arrête de jouer dans l'eau. Hey. Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, vous avez vu, on est déjà dans la piscine parce qu'on va passer une journée pratiquement au complet dans l'eau. T'es prêt? Oui, mais on va aussi gonfler tous les petits gadgets et les bouées gonflables et tout ça. Ça va être trop bien. L'année dernière, on a voulu faire cette vidéo et on était trop déçus parce que quand on a voulu commander les bouées gonflables, c'était trop tard. Sold out. Tout était pris. Alors cette année, on s'est vraiment pris en avance. Il y a quelques mois, on a fait une grosse commande et on va vous montrer tout ça parce que c'est dans la petite cabane juste à côté. Et surtout, il a fait des courses sur l'internet, il a acheté que des choses qu'on n'a jamais vues. J'ai trop hâte. Mais avant, il faut que tu montres le jardin. C'est vrai, on préfère un petit update jardin. Vous avez été plusieurs à nous demander de faire ça sur Instagram. Alors on va aller vous montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui. Est-ce que je peux savoir qu'est-ce que tu fais? Pendant toi, tu montres le jardin, moi je me réchauffe parce que l'eau est très froide dans la piscine. Premier truc indispensable. Je récupère mon nouveau chapeau. Parce que hier, j'ai pris un petit coup de soleil et je peux vous dire que comme ça, c'est beaucoup mieux. J'ai l'air d'un petit... Je sais pas quoi en fait. Dites-moi dans les commentaires à quoi je ressemble. Ensuite, on se dirige vers le jardin. Hier, j'ai tout nettoyé. Dans le premier bac, on a tout ce qui est kale, céleri et salade. Il y a aussi des petits poivrons qui sont complètement cachés. Mais si je tasse bien les feuilles, vous voyez que les poivrons sont vraiment en train de pousser. C'est trop bien. Dans le deuxième, il y a tout ce qui est bétacarde. Il y a aussi beaucoup de petits concombres que j'ai bien, bien nettoyés parce que ça faisait trop d'ombre aux petites betteraves. Et ici, on a toutes les courgettes. Ça pousse vraiment bien. Il y a aussi beaucoup de fleurs, donc je pense qu'on va en avoir tout l'été. Ensuite, ici, on a les poireaux. Les carottes ont bien poussé. J'ai mis des petits bâtons pour bien tenir les feuillages. Là, ici, on a mangé déjà beaucoup de salade, mais regardez comme ça pousse, c'est trop beau. Et quand on va avoir récolté celle-ci, je vais pouvoir replanter ces petites pousses que j'ai plantées environ un mois après avoir fait le jardin. Comme ça, on va en avoir pour tout l'été. Et là, on a tous nos plants de tomates et je peux vous dire qu'on va avoir plein de variétés. Mais celle que je suis vraiment curieux de voir, c'est ces tomates japonaises. Je pense que ça va être trop bon. Et à l'arrière du plus grand bac, il y a les physalis que Isaac avait plantés et c'est devenu géantissime là. C'est trop drôle. Ça fait plein de petits fruits comme ça et je pense qu'on va en avoir vraiment énormément. On va aller voir maintenant si Isaac s'est bien réchauffé. Alors, est-ce que t'as chaud maintenant? Beaucoup mieux. Avance-toi, je vois pas ton beau look avec mes lunettes. Regarde, c'est comme une pieuvre dans une soupe. Allez, viens-t'en maintenant, on va gonfler les bouées. Il y a beaucoup à l'intérieur. Tu sais quoi? Quoi? On devrait les déposer autour de la piscine. Très bonne idée. Mettez la vidéo tout de suite en pause et laissez-nous savoir dans les commentaires combien de bouées gonflables on a acheté. La bonne réponse à une surprise. Voilà, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tu vas tous les gonfler avec la bouche. Non, c'est toi qui vas le faire. Non, on a une machine pour ça. Est-ce que tu penses que ça va remplir la piscine au complet comme la licorne géante? Je pense que oui. Et surtout, il y a quand même des trucs énormes. Là, regarde, c'est pour 3 personnes. Ou le lama. Oh, énorme. Tu pourrais faire un 24 heures sur ça. Je pense que je préfère un 24 heures sur toutes les bouées gonflables. On va nettoyer la surface. Premier objet, c'est le floaty sac de chips. Regardez comme les deux ont l'air contents sur le matelas là. C'est quoi la saveur des chips? Attends. Poussiéreux. Ah mais c'est quand même grand hein? Chips classique. Le matelas est fait. On le met tout de suite dans la piscine. Allez. Je suis pas sûr qu'il va avoir de la place pour tout le reste. Prochain item, la banane gonflable. Et regardez, on a l'impression que c'est Thibaut in shape qui saute dans la piscine. La banane, elle est prête et on a décidé de gonfler tous les petits bouées gonflables. Et après, on va mettre l'une après l'autre dans l'eau. Parfait. Presque tombé. Mets-la dans l'eau. Allons. Prochain objet, le lama énorme. Oh non, j'ai cassé le lama. Ouch.
Je me suis cassé un ongle en plus. Ah! C'est stressant qu'on fait les bouées gonflables. Ok, là on peut. Elles sont dehors. On l'appelle comment? Linda. Linda. Linda le lama. Et... Oh, trop bien. Elle nage bien, Linda. Coucou. Prochain item. Parce que j'ai faim. Ah oui, des frites. Est-ce qu'elle est prête, ma frite? Pas encore. Wow. Et où le ketchup? Arrête de parler de bouffe, j'ai faim. Oh, regardez comme c'est trop beau. Un petit chaton. Oh, c'est comme un petit chat. Ah, c'est vrai. Et c'est très, très grand. Ah, génial. Alors, mon chaton. C'est génial. C'est vraiment beau, ça. Tiens, je te laisse mettre ça dans la piscine. À côté de Linda. Yeah! Maintenant, on va prendre le homard énorme pour 3 personnes. J'ai vraiment de plus en plus faim, là, je peux te le dire. Ah oui, moi aussi. C'est une déception. Ah, mais non, moi, je le trouve cool de ouf. Oui, c'est super beau, mais c'est pas pour 3 personnes, là. C'est pour 3 petites personnes. Allez, il va voler dans la piscine. Puisque je trouve qu'elle a l'air tellement relax sur sa petite feuille, c'est celui-là qu'on va gonfler. Oh. Oh. Ça, c'est très beau aussi, hein? Tu vas pouvoir me ventiler comme ça. Yeah, yeah. On continue à rêver. Et là, on va prendre le bouée gonflable de Chef Koons. Je pense que ça va être méga beau aussi, hein? Oh. Wow! Trop bien, non? Ouais, c'est très mignon. J'ai mal au cœur. Passe Linda! C'est déjà pas mal et on n'a même pas encore la moitié. C'est l'heure pour la séance cinéma. 1, 2, 3. Wow! Popcorn! Est-ce que je t'ai dit que j'avais faim? Oui. Est-ce que tu présentes la prochaine victime? Oui, on va danser le lac des cygnes maintenant. Ah oui! Je suis prêt. Oh non, elle est tombée! Oh, elle est cassée. J'ai cassé la souffleuse. Oh! Oh non! Ah! Elle fait des bruits bizarres, pas cassé. Regarde ça! Oh non! Encore un problème. Oh non! Je suis caboulé. Few moments later. Ta 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 ta. Ah, ça c'est très beau aussi. Mais c'est pas énorme non plus, hein. Linda, elle est plus grande. Alors, le prochain. Oh, petite bouée gonflable Starbucks. Mais tu sais quoi? C'est un signe. Après ça, on va chercher quelque chose à manger. Et... Wow. Alors, c'est quoi comme Starbucks? C'est un frappuccino aux fruits et c'est ça qu'on va aller se chercher au Starbucks. Ok. On est arrivé chez Starbucks. Est-ce que tu penses qu'on va obtenir exactement ce qui est sur le floaty? Je sais pas, on va voir. Oui, bonjour. Je prendrais, s'il vous plaît, un frappuccino aux fruits rouges avec de la crème fouettée et un sirop de fraises, s'il vous plaît, sur le dessus. Un aux fraises? Oui, c'est parfait. Crème fouettée. Crème fouettée et sur le dessus? S'il vous plaît. Merci. Mais ça avait l'air facile, hein? Mais oui. Salut, ça va? J'ai vu du coin de l'œil. Ça semble ressembler à notre bouée. Merci beaucoup. Bonne journée. Regardez ça. C'est pas mal ça. Mais tu sais quoi? Non, on coupe pas tout de suite. Non? On va faire maintenant des courses, on achète des petites choses à grignoter et on se retrouve à la maison pour manger dans le jardin, non? D'accord, je vais patienter. Juste ta petite boule. Ok, on est de retour à la maison. On a acheté beaucoup de choses parce qu'on a très très faim. C'est épuisant de faire gonfler tous ces bouées gonflables. Alors, Carl a pris des tacos végé, très très délicieux. Après, on a pris un... Salade de betterave et pommes. Ça, c'est pour moi. Petit bol
General Cooper. Avec, je vous montre, regardez, des nouilles transparentes. Ça c'est tellement bon. Après, une petite salade de nouilles pour Carl, parce qu'il adore ça. Moi je trouve ça l'air toujours un peu bizarre. C'est comme des vers de terre ou quelque chose comme ça. Et j'ai pris un petit sandwich vite pâté avec des carottes et une petite sauce semi-piquante. T'as encore un autre truc? Ouais, ça avait l'air trop bon. Une salade de tofu sucré qu'ils ont dit. God, j'ai tellement faim quand je vois tout ça. Attends. Wow. Pour boire, on a pris un petit kombucha, mais avec 1 g de sucre par 250 ml. C'est pour compenser avec le frappuccino. C'est très bon. J'ai l'impression qu'on n'a pas mangé pendant 3 jours avec tout ce qu'on a pris à manger. Alors nous, on va manger et après, on se retrouve tout de suite à la piscine. Pour gonfler les autres bouées gonflables. Ciao. Bobby nous a entendu manger et il se dit, je vais venir et mériter. Oh non, non, comme ça, tu mérites rien. Assis, couché, reste. Bon chien, Bobby. Un peu de brocoli. Miam, miam, miam. Est-ce que t'as assez mangé? Trop, maintenant, j'ai besoin de faire une sieste. Non, tu feras une sieste quand les bouées gonflables seront toutes gonflées. Je vais aller récupérer la prochaine. Celle en forme d'œuf. Ça, c'est très drôle. On va voir si c'est long faire cuire un œuf. Et... Wow, c'est quand même très drôle. Tu pourrais manger dans l'œuf pour le petit déjeuner sur ça. Exact. Maintenant, on va montrer le prochain. Na 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 na. Allez, dans la piscine. Faut lui trouver une place, hein. Il va se faire la place. Là, ça commence à être plein, hein. On a encore deux. Un arc-en-ciel et une licorne. Bang! C'est fait. Je vais déjà m'asseoir dedans. Ah, c'est pas mal. Oui. On va mettre ça à l'eau. Après, on va faire un petit plan avec le drone. On va faire aussi un petit plan avec la GoPro en dessous. Et après, on va faire un petit challenge. Qui va traverser la piscine la plus vite sans se mouiller? Je vais te dire que si on n'est pas capable de traverser sans se mouiller, hein, c'est qu'on n'est vraiment pas doué parce que la piscine, elle est complètement remplie, là. Et hop! Oh oh, j'ai l'impression que c'est déjà pas mal rempli en fait. Il reste une petite place, attends. Et voilà. Oh, ça a fonctionné quand même. C'est comme si on a calculé vraiment précisément combien on pouvait en mettre dans la piscine, c'est plutôt pas mal. Il a sorti son jouet. Ça me fait un peu peur. Et c'est parti. Comme vous avez vu maintenant, la piscine de en haut, de en bas, on a fait un petit accident, ça touche le fil électrique. Mais tout allait bien, maintenant on fait la dernière chose, le challenge. On va traverser tout ça sans tomber dans l'eau. T'es prêt? Toujours. 3, 2, 1. Mais oui, j'ai gagné. Non. Attends. Je t'avais dit, je suis le pépopopoyard. Sauf que t'es tout trempé là. Oh, ok, alors j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous, on s'est bien amusés. On a passé une super belle journée au soleil et dans l'eau. Dites-nous en commentaire si je devrais faire une vidéo où je passe 24 heures dans la piscine avec toutes les bouées gonflables. Je pense que ça pourrait être très drôle. Et surtout, quelle était votre bouée gonflable préférée? Voilà, et tout à l'heure, t'as dit qu'ils allaient gagner quelque chose, essayer de trouver le bon nombre de bouées. Mais moi, je vais laisser un commentaire. Très bien. Alors, je pense qu'on va aller dans la piscine. Nous, on se voit très très vite sur nos chaînes principaux et... Sur nos chaînes principales. Nous, on se voit très vite sur le... Nous, on se voit très vite sur nos chaînes. Il y a beaucoup trop de mouches. Nous, on se voit très... Nous, on se voit très vite sur nos chaînes. J'arrive plus. Nous, on se voit très vite sur notre chaîne principale et aussi sur la chaîne de vlog. On vous aime, on vous adore et surtout... Allez dans la piscine! Non! Non! Bravo, 24 heures sur ça.